bûche. T'es prêt pour 40 milliards d'heures. Range-moi ta merde. De route. Eh, hey, c'est pas ma merde. Tu sais pourquoi ça va bien se passer? Oui, oui. Parce que j'ai des schtroumpfs. Oui, t'as des schtroumpfs. Et moi, j'ai mes ragnagnas, j'ai super mal au ventre. Il est 2h. Il y a 2h11. 11. Pourquoi il est marqué 2h01? Ah, de route. Non, il est 2h01. Et j'ai pas dormi, toi t'as dormi une petite. Non, non, j'ai dormi 1h, une petite dame. Bah, 1h c'est déjà bien, moi j'ai dormi 0h parce que j'ai une crise atroce de mal de bidon. Du coup, là, on va de Maison Alfort jusqu'au Mont. Et ensuite, on va du Mont jusqu'au. Mais je sais pas comment on le dit, les Ors ou les Aurès. Ouais. Faudra qu'on leur demande là-bas. Est-ce que ça se dit les Ors ou les Aurès? Ils vont se foutre de la gueule, ça se trouve. Voilà, donc on a en tout. Mais tout va bien, tu sais pourquoi? Parce que j'ai acheté Coyote. Avec Coyote, plus de points on retient. Et du coup, après, on a au moins 12 ou 13 heures de. 12 heures d'eau ou tout au moins. Ouais. À peu près, je crois. Voilà. Donc en fait. Surtout si tu nous arrêtes, tiens, puis c'est toutes les 10 minutes. Oui, bah écoute, j'ai mes ragnagnas, on fait avec les ragnagnas de la dame. Arrête, j'ai envie de vomir en plus. J'ai trop mangé, je suis pas bien. On vous reprendra plus tard. Oh, j'ai... Sur la route. Toute la sainte journée. J'ai trop mal au ventre. Oh, mais bon. On va partir. On est arrivé, j'ai une gueule, n'en parlons pas finalement, puisqu'on a fait 14 heures de route, je sais plus, non mais regardez-moi ça te coupe, c'est n'importe quoi. Vas-y Lolo Ferrari. Ah, oui. Ça fait vraiment... Ouais mais...
Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on est le 26 décembre, il est 15h je crois à peu près. Là tout le monde est reparti skier, moi je suis pas reparti skier tout simplement parce que je me suis cassé la gueule, voilà, et je me suis fait mal au genou. Donc voilà, bon, après rien de très grave, mais je me suis fait quand même mal au genou, donc j'avais pas envie de reforcer dessus. Je préfère voilà, là un petit peu poser tout ça et puis bah, peut-être recommencer. Mais en tout cas, après 15 ans sans monter sur des skis, je suis remontée dessus. Enfin, c'est un truc de ouf. Parce qu'à chaque fois, enfin, je suis retournée plein de fois à la montagne. Et je n'ai jamais voulu reskier tout simplement parce que bah, j'avais archi peur. Du coup, je disais parce que le petit frère de mon chéri était revenu. Du coup, ouais, je suis trop contente parce que bah, j'ai vaincu un peu ma peur, quoi. Et je suis remontée sur des skis parce que vraiment, à chaque fois, j'avais archi peur, comme je vous ai dit. Contente d'être remontée dessus 15 ans après. Et truc de fou, parce que je ne voulais pas le faire et que j'étais en train de commencer à faire une crise d'angoisse de ouf. C'était de faire du télésiège. J'avais trop peur. Bon, j'y suis allée, je me suis quand même chiée dessus. Mais je l'ai fait, je suis quand même montée dessus. Et c'est après du coup que bah, je me suis viandée parce que en fait, le chéri de ma belle-sœur, c'est qu'à sa gueule, eux, ils étaient devant nous. Moi, je vais plus mollo parce que voilà, pour l'instant, je suis pas du genre à aller vite, tout ça. Bon, il y a des moments où je vais un petit peu vite, mais pas un truc de ouf, quoi. J'y vais vraiment tranquillou, j'ai pas envie de faire n'importe quoi puisque j'ai encore du mal parfois un peu à m'arrêter, tout ça. Il était tombé. Et le temps qu'il se relève, il y avait du coup bah, mon beau-père et ma belle-sœur qui attendaient. Et moi, à ce moment-là, du coup, j'arrivais assez vite. Et c'était soit je faisais un strike et je fonçais dans tout le monde, soit bah, je tombais. Et du coup, bah, j'ai préféré tomber plutôt que de faire mal à tout le monde. Parce que j'arrivais plus à m'arrêter, soit en fait, j'allais vraiment vite. Et que je gère pas encore bah, à 100%. Et du coup, je me suis cassé la gueule, mais d'une façon où en fait, mes jambes là, genre, se sont tordues comme ça. Et du coup, je me suis fait super mal au genou droit. Ma belle-mère m'a fait un massage, donc ça m'a fait beaucoup de bien, mais c'est vrai que je suis pas encore au top. J'ai hyper mal à la hanche, ma douleur de hanche revient. Là, j'avoue, j'ai de nouveau mal, ça m'a fait du bien qu'elle me masse, mais là, j'ai de nouveau mal. Donc, je préférais rester là. De toute façon, il faut que je fasse du montage, tout ça. Donc, voilà. Et puis là, en plus, ils vont pas en faire encore pendant très très longtemps, parce que je crois que les pistes, en tout cas tout en haut, ferment à 16h30. Et je crois que les petites pistes, vous voyez, c'est des toutes petites montées qu'on fait sans le télésiège, c'est jusqu'à 17h, je crois. Enfin, bref, c'est pas jusqu'à très tard, parce qu'après, en fait, il fait nuit. Donc, voilà. Du coup, ils vont en faire une petite. Heure et demie, voilà. Il vaut mieux en profiter et regardez-moi cette. Attendez, je vais vous montrer la vue de ouf, c'est trop beau. Regardez-moi ça comme c'est beau, c'est vraiment sublime et franchement, donc du coup, voilà, ça c'est les petites pistes vraiment. En fait, on monte dans les petits tubes là et hop, on remonte, on ressort par là et puis hop, on fait la descente jusqu'en bas. Ouais, c'est des petites pistes vraiment tranquilles et tout qui sont bien, mais déjà ça, genre, je me suis dit, oh mon dieu, on voit que vraiment je n'ai pas fait de ski depuis très 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 longtemps. Allez, allez. Bravo, tu vas? Forgive me.
toujours la cache-cache. Oh, t'es en train de refaire la même chose là. Un peu. Un peu, là. Non, bah, c'est si. Pas la même. Du coup. Tu m'as fait la même. Encore. Il m'a fait la même. Ah, ça a l'air. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas lourd, un effort. Merde, mais c'est le même. Il a vraiment gagné sur ça. Bah oui, oui. Ouais, je vais pas regarder. Merci. Bravo, mon cœur. Alors, Babou, que penses-tu des burgers de d'Evan? Si, si. 4 baguettes, on sait pas pourquoi, mais. Du coup, maintenant, on sait pourquoi. En fait, le pain est cru. D'accord. La viande est froide. Tiens, d'accord. Le fromage n'est pas fondu. Tiens, prends celui-là. Ah, d'accord. Tiens, c'est... Faut venir manger, papa, le pain cru, parce qu'après, il cuit. un délice. Non. Mais non, si. C'est tout bizarre. C'est très cuit, c'est pas cuit. Si, le. Boum! Oh merde, attends, hey, debout! Ah merde, hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, on est le mardi 28, il est midi 6. Là, on sort tout juste. On s'est couché bien plus tard. Donc voilà, j'ai appris à jouer au tarot. Donc je suis contente. Et mes cheveux sont absolument scratchés en fait, c'est une blague. Du coup, là, on va prendre la navette parce qu'en fait, ici, il n'y a pas de tabac. Moi, je ne fume pas. Mais une bonne partie des personnes ici fument. Donc du coup, ici, il n'y a pas de tabac. Il faut qu'on aille... En fait, on est dans les ors 1800. Il faut aller dans les ors 1600, c'est-à-dire que c'est plus bas. C'est par rapport à l'altitude de ça. Et donc du coup, il faut qu'on prenne la navette pour descendre parce qu'en fait, mon beau-père s'est défoncé le genou. Donc on peut pas y aller avec la voiture. Voilà, parce que clairement, il ne peut pas conduire. Et ma belle-mère, elle ne peut pas conduire dans la neige. Ce que je peux complètement comprendre. Donc du coup, on va prendre la navette. C'est une navette. Du coup, voilà. Aujourd'hui, il fait plutôt beau. C'était vachement couvert ce matin. Et là, ça va s'entendre de se dégager. Voilà, donc... J'ai eu peur, il y a de la neige qui est tombée, une voiture. Bref, mais sauf que là, en fait, le problème, c'est que mon beau-père est descendu avec... Ça me fait bizarre, je vais dire mon beau-frère, parce que bon, il a 9 ans, donc c'est bizarre. Voilà, ils sont descendus pour aller regarder les horaires, et sauf que le problème, c'est qu'on ne sait pas où ils sont. Donc ma belle-mère est allée regarder un petit peu si elle les trouvait. Donc voilà, donc on va aller là-bas, je vous filmerai un petit peu, comme d'hab. Mon chéri, ma belle-sœur, mon beau-frère sont allés skier tous les trois. Je vous avoue que vu que je me suis fait mal au genou, je me suis fait un petit peu peur et tout ça, j'ai pas très très envie de recommencer pour l'instant. J'ai envie de payer la journée pour en faire peut-être 3 secondes. Alors Bébou, qu'est-ce que tu penses de ces vacances à la neige en un mot? C'est bien mais c'est fatigant. C'est très haut. Oh mon cookie. Raison. Là c'est bon là, ça c'est haut. Oh le cul là encore une fois. Ah les fesses là. Aïe 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 aïe.